quatrième étape du Crédit Agricole Nature Tour 2016. Le trail du Nivolet-Revard, ou plutôt les trails du Nivolet-Revard, puisque ce sont quatre épreuves qui étaient proposées en ce 1er mai. Le 51 km, un 27 et un 13 km, et enfin une marche découverte, dont voici le départ. Vive la nature! Génial! Que dire de cette épreuve sinon qu'après une rapide montée vers le Malpassant, qui s'est elle plutôt bien passée, ce sont des conditions glaciaires qui attendaient les trailers du Nivolet-Revard sur le plateau. Le mieux c'est peut-être que les deux vainqueurs vous en parlent. C'est que là-haut les conditions étaient difficiles et c'est vrai que c'est. On n'a pas traîné, hein. C'est vrai que Steve est parti très vite. Voilà, après nous on connaît la course aussi, on a un petit peu géré quand même. Et puis ça s'est tout regroupé après sur le plateau parce que c'est vrai qu'il fallait tourner, quoi, fallait tracer, donc on s'est bien relayé, donc voilà, c'était une course un petit peu particulière. Et puis sur la fin on s'était déjà bien expliqué avec Michel, donc voilà, on a dit qu'on finissait ensemble. Et au fur et à mesure en fait le plaisir et les sensations sont vraiment apparus, et puis le fait de courir dans la neige, en fait pour un 1er mai c'est la première fois que je mets les baskets dans la neige cet hiver. Et bon, ben, les sensations sont revenues. Sur le plateau, j'ai rattrapé le groupe de tête, dont Ludo. Et à partir de là, ben, on a essayé tant bien que mal de se relayer pour faire la trace. C'était vraiment exigeant. Il faisait froid, il y avait du vent, on avait 25-30 cm de neige. C'était des conditions de folie. À moins d'une heure des deux hommes, la première féminine rapporte à peu près la même image de la course. Ah ben, c'était dantesque, hein. Mais c'était bien. De la neige là-haut, c'était très froid. Froid, ouais. Donc voilà. Et ben voilà. Invités de l'épreuve depuis quelques années, les concurrents japonais ressortaient eux tout aussi impressionnés. Hard, very hard. Snow, rain, bad condition, but I enjoy. I enjoy. C'était beau, c'est sûr. Oui, comme on la voit, il y a plein de boue. Sur les cas-là. Oui, mais ça lui a fait beaucoup de plaisir, courir comme ça. Oui, merci. Que ressent un organisateur quand il se réveille un matin de course avec ces conditions atmosphériques? Et relativement inquiet, j'attendais d'avoir toutes les infos des ouvreurs pour pouvoir prendre la décision du parcours. Jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé, tout le monde arrive, fatigué, avec des conditions, on va dire, dantesques, hein, pour un 1er mai avec 25 cm de neige là-haut au Revard. Je suis très satisfait que le maximum de coureurs arrivent et que ce soit bien passé, quoi. Moi hier j'ai anticipé, j'ai fait baliser un deuxième parcours, un parcours de repli où je savais que bon, il y a toujours des risques, mais les risques étaient beaucoup moindres. Depuis le début de la saison, le Crédit Agricole a innové en remettant un chèque à une association caritative locale. Alors effectivement, le challenge donc, qui existait depuis 2 ans a été remplacé cette année par une dotation donc destinée aux associations humanitaires. Donc une association humanitaire choisie par l'organisateur. Donc 1 € par concurrent est reversé donc, pour cette association à la limite de 1 000 €. Donc aujourd'hui notamment sur le Trail Nivolet-Revard. Donc tout à l'heure on remettra un chèque de 1 000 € donc, à l'association Comité Handisport de Savoie. Avant les podiums, moment émotion, avec la passation du trophée Bernard Donzel à Ludovic Pommeret. Bernard était un très grand sportif, l'ancien président du club et le créateur de l'épreuve. Il est décédé en 2013. Remise des récompenses, dont vous pourrez trouver le détail, comme vous en avez maintenant l'habitude, sur notre site internet ci-dessous. Avant de terminer cette édition, quelques remarques, parfois teintées d'humour, de participants du trail. Super atypique cette année. Bien aimé, super. C'était très facile, le terrain était sec, on a pu voir le beau soleil, c'était magnifique. Le Crédit Agricole Nature Tour vous donne rendez-vous dans 15 jours, nous l'espérons dans de meilleures conditions atmosphériques, à Bellevaux, pour le trail de la vallée du Brévent. À bientôt.